Octoon ! Le dernier Octoon de l'année ! Oh là 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 là, comment finir l'année en beauté sur une free win, un free top 1 avec le meilleur héros du jeu. Quel style, quelle classe. Tain, par contre, quand t'es Octoon, ça va pas être pratique si tu dois mettre des lentilles. Hein. Parce que déjà, celui-là, il est gros. Et après, il y a plein d'autres petits yeux partout. Imaginez quand il va chez l'ophtalmo. Le temps que ça doit prendre. Genre pour voir si tous ses yeux ils vont bien. Quelle est votre stratégie cette fois, partenaire ? Si on n'a pas de token, on va tenter le pouvoir héroïque tour 2 à blanc. Je l'ai pas encore fait. Habituellement, sur le tour 2, je level up. Mais peut-être que c'est mieux de faire un pouvoir héroïque. On va voir. J'ai envie de tester. Surtout qu'il y a des mechas, donc c'est peut-être pas dégueu. Ok, pas de token. Là, je vais roll pour un mecha. Autour. Putain, mais si j'ai pas de mecha non plus, ça craint. Au tour d'après, j'achète le mecha. Et je fais mon pouvoir héroïque. Tars, pour toi, quel est le meilleur tournoi que tu as fait? Celui dont tu gardes le meilleur souvenir? C'était Bangkok pour le cadre et tout, c'était vraiment sympa. Même si le tournoi en lui-même n'était pas incroyable. Sinon, probablement une Dreamhack à Austin. Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Ma strat qui s'effondre. Là, je pense que si j'avais un mecha, ça aurait été ok. Hein. Démon, vous voulez prendre? C'est quand même pas de bol de pas avoir de token au début, ça peut arriver. De tenter la strat où je fais 3 rolls pour chercher un mecha et j'en trouve pas, c'est terrible. Parce que là, ce démon, il va me mettre mal pour la fin de la game. Il sert à rien. Là, pour le coup, c'est le pire truc possible qui m'arrive. Ça, mais pas pour tout de suite. On va monter taverne 3, pouvoir héroïque. Et ensuite faire des rolls pour chercher des boucliers divins. En fait, là, c'est juste que... Je pense vraiment que la strat, elle est ok, mais faut choper un mecha. S'il n'y a pas de mecha, c'est impossible. Parce qu'un mecha, tu lui donnes le new module et il est dans ta compo de late game et t'es content qu'il ait eu tous ses boosts. Mais Discolaire, non, il va dégager. Bon, pour l'instant, ça confirme quand même mon envie de level up sur le tour 2 plutôt que de faire un pouvoir dans le vent. En tout cas, c'est comme ça que je le joue habituellement et ça se passe plutôt bien. En général. C'est de vite se remettre
Tu as vu la dernière vignette de la vidéo d'Oliège? Elle parle de toi. Qu'est-ce qu'il a fait, Oliège, encore? Tars est juste là pour le titre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous c'est bien, Tars est nul. J'avais pas vu. C'est marrant. Par contre, on se fait un peu chier hein, quand on joue ce héros. Parce que tu fais ton level up, t'appuies sur le bouton et t'attends. Et y a rien d'autre. Juste t'attends. Et bien en fait, ses yeux, ils tirent des rayons laser. J'ai même pas fait attention. Aïe, pourquoi il y a déjà un ennui au module en face? Ok. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Est-ce que je me contente de ça? Ou est-ce que je vais chercher un autre bouclier divin? C'est même une bonne carte. On va faire ça pour l'instant, parce que si je roll deux fois et que j'ai pas le bouclier divin, j'ai un peu l'air con. De 3, 4, 5. Il ne finira pas son pouvoir héroïque à cause de nous. Jouer tout seul, pas sur le déflecto. Oh, si, si, sur le déflecto. Non, j'ai pas envie de le jouer à côté. Parce qu'après, c'est-à-dire que je suis obligé de lui mettre un ennui module pour que ça fonctionne. Et bah j'aurais envie de mettre mon ennui module sur d'autres mechas, je pense. Aïe. Un jour on gagnera un combat. Mais pas maintenant. Pas vrai. Il faut tous les tuer. J'ai vraiment pas eu un seul bouclier divin. Alors qu'il y a quand même des dragons, quoi. Il y a des dragons, j'aurais pu avoir un autre déflecto. On est contre le premier. Ça va être chaud, hein. Tu peux concéder direct. On va se battre. J'aurais pu prendre l'héroïne. Le problème d'héroïne, c'est que j'avais pas de bête pour de la proc plus tard avec Ara ou des trucs comme ça.
Premier combat gagné. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Restez un instant. Alors, peut-être. Putain, il a mis 14 à Rafam, alors que le Rafam, il était pas dégueu, il me semble. Pourquoi pas mettre le Sensei en deuxième? Oh, parce que je préfère que le Deflectobot prête un boost plutôt que le Discolaire, tout simplement. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ok. Il y a un lardeur doré en face quand même. Hein. Et déjà un pirate comme ça. Oh là là. Oh, elle vient de faire un triple. Vas-y, donne-lui au module. Restez un instant et écoutez-moi. Ah non. Comme ça? Ou comme ça carrément? Non, comme ça. Elise qui a mis 20, qui vient de faire un triple et de récupérer un taverne 6, ça fait très 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 peur. En vrai, j'aimerais bien que ce soit le rover qui prenne le boost peut-être. Parce que lui, il est déjà quand même très solide. J'ai fait un changement de dernière minute parce que s'il y a faucheur, je suis mort. Ah non, il y avait le boost. Non, j'étais pas si mort que ça sur faucheur. Non, fallait pas taper là. Oh, tape à droite. Nous sommes vivants. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Vraiment, je pouvais pas tag le mort là.
Rover ou héroïne? Un choix facile. Rover, je pense. Tu fais pas ta gueule mort vu que tu l'as rencontré avant Elise. Hein. Aïe 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 aïe. Peut-être mettre ça là. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ah, 100%. Pourquoi ils ont tous des massacreuses par milliers? Oh, c'est bien ça. C'est pratique. Parfait. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Enfin le mort. Tu peux pas prendre le tilt, revendre et HP. J'aurais pu, ouais. Si plus de d'attaque sur tous les mechas, c'était pas si mal. Tout à fait, j'aurais pu. Moi, mon idée là, c'était d'aller chercher Bolvar ou un autre ennui au module. Mais ça se défendait aussi, tout à fait. Je pense qu'augmenter ses chances de choper un ennui au module est plus important que de donner plus de d'attaque. Mais il y a débat. J'aurais pu en tout cas. J'aurais peut-être dû revendre le discolaire. Tra, non, je peux pas, il a trop de stats. Non, comme on est à un PV, on va jamais pouvoir le revendre, je pense. Comme chaque combat est une lutte. Impardonnable. Toute revente serait impardonnable. Pourquoi Elise est pas contente? Elise a perdu. Un bouclier divin. Sensei, est-ce que j'en rachète un? Tiens, je suis contre Elise. Ces massacreuses dorées qu'elle avait. C'est la meilleure. Attends. Il n'y a qu'un nouveau module qui peut me sauver. Sur un Vaillefendre, ça peut être sympa. Comme ça, je prends ça. Ok. Le fléau va vous
Vous me ferez penser à pas acheter l'amalgadon. Hein. Sinon je meurs. Si un jour l'occasion se présente, rappelez-moi bien de ne pas le faire. Quoi, tu gèles pour le Deflectobot? C'est la carte qui m'intéresse le plus. Elle a foutu quoi, Ellie, sur ses trois derniers tours? Je pense que elle hésitait entre se commit sur mecha et sur ménagerie, et du coup, ça a merdé. Il y a un bolvar qui est pas mal là aussi. J'ai pas la place pour le bolvar. Est-ce que je revends ça maintenant? De pirate, je suis pas mal, je pense. Hein. Je peux me le permettre. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'ai bien compris, là, il peut pour Bolvar, c'est un peu trash, il prend aucun boost hors combat, et face à des 20-20, il sert à rien. Ben moi, je m'en fous, je veux juste des boucliers divins que je vais booster par la suite. Moi, tout ce que je veux, c'est des boucliers divins. Bolvar, le fait que ce soit un bouclier divin qui, en plus, va avoir plus 8 ou plus 10 d'attaque, c'est encore mieux pour moi. Vifond qui meurt, le bouclier divin qui va au pire endroit. Est-ce que c'est le 0,1% là? Non, ça va. Hein.
Merde, je sais pas compter. Je n'ai peur de rien, sauf des sauts. Oups. Fallait pas que je revende. Fallait pas que j'achète le tigre. Ah ouais, non, il y avait rien à faire. Tigre ou pas tigre, héroïne ou pas héroïne. Ah si, avec héroïne, c'était peut-être bon. Hein. Non, je suis juste un idiot qui sait pas compter. Ok, je regrette pas d'avoir gardé l'ennui au module plutôt que l'héroïne. Attendez, on est en train de faire des bêtises, non? Je sais pas trop. Mec, il tape à gauche, là. Oh, putain, l'escroquerie. On a gagné. Oh, on a gagné. Non, ce héros est vraiment trop fort. Genre, je suis désolé, mais là, c'est abusé ce qui s'est passé. Parce que le jeu, il nous a chié sur la gueule du début à la fin. Et en plus, je fais des misplays et je gagne. Donc, tout n'est juste trop fort. Voilà. Y a pas de débat, en fait. C'est juste le meilleur héros du jeu. Je l'avais call, hein, le free top 1. Et j'ai beau avoir Bob qui est pas sympa avec moi... J'ai beau faire des erreurs pour laisser un peu une chance à mes adversaires sur la fin. Le héros est juste trop fort. Toujours pas convaincu de ce que je dois faire sur le tour 2. Entre level up et faire un pouvoir dans le vent. Pas convaincu encore, on verra. Faut un peu plus d'expérience avec le héros. Du coup, au revoir YouTube. Hein. Ciao.